Bonjour à tous, c'est Tony John 77. On se retrouve pour la suite de The Last of Us. Alors désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors, en ce moment, je suis sur plein de jeux, notamment Bloodborne, Kingdom Hearts, Dirt Rally aussi. Ouais, je fais plein de jeux. Alors on avait arrêté ici au barrage. Enfin, plus loin il y aura le barrage, vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une nouvelle arme. C'est pas de refus. Ah, j'ai qu'une balle, super. J'ai deux balles de ça. Là, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien. J'ai deux cocktails. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va refaire une fumigène. Ça peut servir quand même, fumigène. Pilule, on en a que 5. Ok. La route s'arrête là. Suivons la rivière. Ça nous conduira jusqu'à Tommy. Viens. Donc oui, dans la précédente vidéo, on avait passé le passage super chaud avec le sniper là. Bien content d'avoir réussi. Il s'est passé quoi entre vous? Comment ça? Tommy et toi? Si vous êtes séparés, c'est pour une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Nous y voilà. Quel point? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint Lucien. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment, votre dernière rencontre? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche. » Eh ben... Mais il va nous aider? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, ah, une BD. Avec ou sans son aide. Allez, on continue. Ok. Beaucoup de courant là, quand même. J'irai pas dedans. En tout cas, on est passé en automne. C'est un peu plus calme. Oh, c'est quoi? Ça là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. hydro quoi? Ça utilise l'énergie de la rivière et ça la transforme en électricité. Et comment ça marche? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Très bien. Voilà le barrage. Comment on traverse? Oh, il faut un surin. Ça tombe bien, j'en ai un. Et voilà. Et voilà. Super, une flèche. On va y aller avec ça. 50 pièces. Putain, ils sont radins en munitions, sérieux. À part des fumigènes, je peux rien faire d'autre. On est très mal. Tourne, Joël, tourne. Voilà. Ça nous amène à mi-chemin. Si on lève la deuxième, on pourra traverser. C'est pas vrai. Allez, à la flotte. Glou glou. Il a même pas eu le temps de parler.
Non, je fouille un peu, je sais plus s'il y avait quelque chose à récupérer là. Oula, il y a un bug. Un bug de son. Il va se noyer. On y retourne. Oh, je sais, il faut aller. Hein. Pardon. Voilà, on a la planche. Ok, Ellie, il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Allez, saute. Bravo! Hop. Voilà. Allez, vas-y, tourne. Voilà. On se met au sec. Tout trempé, Joël. Et voilà, on peut passer. Fais gaffe en traversant. Mais oui. J'imagine bien, il glisse. T'as eu ça? Ça tombait bien trop. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire? Ellie. Quoi? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas? Combien de fois est-ce que je dois le répéter? Les choses arrivent, mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolé. Faut qu'on arrive chez toi. Y'a rien à récupérer, là? Apparemment, non. On peut monter par là. Là, on arrive. Oh, je meurs de faim. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain écureuil, je lui fais sa fête. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Bon, là, y a rien. Il n'y a pas d'autre chemin. Ah. Passons par la centrale. Des pilules. Ah, je peux améliorer le temps de confection. C'est quoi le mieux? Stabilité de l'arme, non? Ouais. On va pas prendre n'importe quoi. Carte. Ok. Allez, on entre. Y a quelqu'un? Même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens?
Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère? Oh, putain. Ouais. Et laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est... C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. T'as faim? Oh, carrément. Voilà, les retrouvailles sont faites. Fausse alerte! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. C'est sympa, ici. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Ça y est, on a adopté le cheval. Voilà. Eh, merci Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite. Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Allez. Maria? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Elle est pas rassurée. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ressasse pas le passé. Je vais la garder pour toi. Tommy, écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars vite fait. Allez. Ouais. Je veux plus entendre parler de Sarah. Ça fait trop mal. Attends, je vais aller voir là-bas. Voilà, 10 pilules. L'alcool. Oh, des pièces encore. Je pourrais faire un cocktail, mais bon, j'en ai pas besoin. Ah, je peux faire une trousse de soins.
Yes. Bon, il nous manque un sur un. Et ça serait parfait. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et niveau sécurité, les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique, comme la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein? Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Ah, y'a rien, hein. D'habitude, il y a des munitions ici. Évidemment, ils ont enlevé. Ah, le petit chien. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Ouais, j'aime bien l'avoir ici. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok, disons deux. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Tranquille. Oh! C'est quoi ça de... Fumigène amélioré. Ah, c'est bien ça. Vu que ça va servir un peu. Alors, l'atelier. Qu'est-ce qu'on peut faire? 129 pièces. Déjà, on va améliorer celle-là. Propagation. Attends, l'arc. Ah, l'arc, je peux plus améliorer. Qu'est-ce que je peux améliorer? Perforation. Allez, voilà. Ça sera pas mal là. Et il nous manque une arme encore. Ça fera très bien l'affaire. À gauche, faites gaffe. Ok, c'est bon. La lumière fut. T'as vu ça? Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, oh, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles.
Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Allez, c'est parti. Merde! Des bandits! Arrêtez-les! Les laissez pas entrer! Eh ben, ça commence bien. Super. Commence super bien. Merde! Des bandits! Arrêtez-les! Les laissez pas entrer! Genre, il est pas mort. Comment je fais avec 0 balles? Ça va être chaud. Prends ça. Putain, ils avaient pas des balles là. Je m'en fous de ça, moi. Ils sont où? Vite, me casse. Non, non, non. Mais non. Putain, mais c'est impossible en fait. T'as pas assez de balles, tu peux rien faire. Pleine tête. Il est où l'autre? Il est mort? Super. Je peux même pas récupérer ma pêche. Trop chaud. Je
C'est bon? Attends. Ah! Il y avait ma flèche là. Yes. Attends. Ils ont rien donné eux? Si. Méchant toi. Ah oui, c'est bon, quand même. Allez, tue-le. Ah bah voilà. Vous voyez quelque chose? Bien joué. Ils sont là. Allons à la passerelle. Des bandits, ils entrent dans le bâtiment. Vous pouvez sortir? Non, on est coincés. Donc on récupère un max de balles là. Hey, cache-toi. Y'a rien là. Putain. Ils sont radins. Hein. On s'en fout. Ça a l'air drôlement compliqué. Grave. Oh, une hache. On va essayer de garder nos balles le plus possible. Il m'a vu. Ça c'est fait. J'en ai tué trois. Je t'ai vu. Ouf, c'était limite. Yes. C'est bien, ils font tout le boulot, quasiment. Putain, tu m'as fait peur, toi. Pleine tête.
combien là? Non, pas celui-là. Voilà. Il est là-bas. Non. Putain. Sur qui il tire là? Bon, on a compris. Ça c'est fait. Tu vas cramer. Oh non. Toi tu vas cramer. Voilà. C'est bon? Faut qu'on joigne les filles. Ouh. Je te suis. Bien, je récupère ma flèche en plus. Toi t'as quoi? Une balle, super. C'est chaud hein. C'est chaud, c'est chaud. Joël. Qu'est-ce qu'il fait? Merde. Oh bah tu l'es hein. Allez. Faites le boulot. Voilà. Oh bien. T'es mort. D'accord. Apparemment, il y en a un là-bas. Que je ne vois pas. Ah, je t'ai vu. Genre, il est pas mort. Voilà. Tommy ? Maya ! Je vais bien ! La petite est avec moi ! Et ils ont rien donné, évidemment. Chaud. Ouais, ouais, ça va. Joël ! Oh merde ! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, écoute, il faut courir. Alors, on a plongé derrière cette table calme et les géants... Calme-toi, et... calme-toi, écoute. Hé, hey, hey, tu es blessé. Non ! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdus ici aujourd'hui ? Hey, qu'est-ce qui se passe ?
que c'est en rapport avec moi? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Un seul faux pas et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria! C'est parti. Vous, si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement, doucement. Faites attention. C'est barré. Allez, petite balade à cheval. Ces traces ? Ça. Je sais pas ce qu'il lui prend. Y'a rien là. C'est joli, hein. C'est sympa cette petite balade. Ellie, où es-tu? Elle est pas passée par là. C'est bloqué. Demi-tour. Qu'est-ce qui t'a pris ? Allez. Okay, allez. Là, d'autres traces. Ok, c'est bon. On se croirait dans Red Dead. Et allez, ça recommence. Combien t'en vois ? Il y en a beaucoup trop. Fais le tour, je te couvre. Tue-le. T'as le mec qui se prend 3 balles, il meurt pote. Aïe 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 aïe. Ils sont chiants avec leur Komotov là. You. Mais pas là. Au secours. Hmm.
Et ben voilà. Et ben voilà. Comme tu l'as dit. Hop hop hop. Vous êtes trop nombreux. Ah là j'étais merdé. J'étais foutu là. T'es mort. Sur les autres. Oh merde. Foutez-moi la paix. Non! Non, c'est mort. Putain, c'est chaud ce passage là. Comment on peut faire? C'est super chaud. Il y en a un qui est là-bas. Oh, j'ai plus rien quoi. J'ai toujours peur qu'il y en ait derrière moi.
Non, là-bas. Oh merde, il est là-bas. Mais lui il me repère à chaque fois en fait. Non. Fils de pute. Je peux quand même pas utiliser ça. Ouais merde, putain, c'est pas possible. What? Allez, tue-le. Non mais genre... Non ! Mort de quoi, là ? Y'avait rien, hein ? Je comprends pas. Allez, encore un passage que je bloque. Allez, c'est parti. Ça me saoule. Je suis vraiment pas doué. Lui, c'est toujours pareil. Il est pas mort. Putain, mais il meurt pas, lui. C'est possible. Il est immortel ou quoi? Il y avait un mec à côté de toi quand même. T'es mort. Allez, tue-le, bon. Quand même. Faut pas y passer l'année, non? Qu'est-ce que c'est encore? Plusieurs, non?
Tiens. Ça donne rien surtout. Il est mort là. C'était le dernier. Ah, merci. Comment on monte là-haut? On peut pas monter là-haut? Bah. Ah voilà. Des balles s'il vous plaît, des balles. Non sérieux putain. C'est abusé sérieux. Il donne rien du tout. File aux chevaux. Ouais. Pas facile, pas facile, là. Continue par là. J'espère juste qu'ils l'ont pas trouvé. On arrive. La voie a l'air libre. Pourquoi t'as mis ta lampe poche, Joël? Bien, on entre dans la maison. Bien ça. C'est pas vrai. Je monte la garde. Bon, ça va faire bientôt une heure qu'on tourne. On va arrêter ici. Juste fouiller un petit peu. Pas l'air d'y avoir grand chose. Des rats. Ah, si, il y a quand même ça. Ouais, pas grand chose quoi. Bon, et bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour la suite, très prochainement. Merci.